celui de prier pendant 40 jours pour la vie de notre vie, pour la vie de la nation. Il y a un mois que nous avons commencé cela, cet exercice, et chaque jour nous avions été ici pour jeûner et prier, demander la face de Dieu et la grâce de Dieu. Nous avions prié également pour les péchés des rois, des princes de cette nation. En confessant leurs péchés, nous avons prié pour la restauration de notre nation. Nous avons prié pour la restauration de notre Église, confesser les péchés des pasteurs, confesser les péchés des anciens, confesser les péchés de toute l'Église. Et nous continuons de le faire jusqu'à vendredi, où réellement cet exercice prendra fin. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut nous bénir, et au travers de notre programme, Dieu nous bénira. Si nous voulons regarder à l'histoire de notre Église, c'est la première fois où le Seigneur lui-même crée dans notre cœur le pouvoir et le fait réellement de s'attaquer à cet exercice spirituel. Nous serons là encore demain jusqu'au vendredi pour implorer réellement la grâce du Seigneur. Par moment, il est advenu que nous avons gardé le cœur à lui poser simplement les mains au vent et prier tous ceux qui s'asseyent sur ses bancs chaque dimanche afin que le Seigneur leur accorde sa grâce, afin de confesser leurs péchés, afin que le Seigneur aussi restaure leur vie spirituelle, leur vie sociale, leur vie financière. C'est cet exercice que nous sommes à donner tout ce temps. Nous tirons vers la fin de ce moment, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous attendons de l'Éternel se trouve dans Deutéronome 28, et je vous l'ai dit tout simplement les 5 premiers versets. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est le sujet du mariage, et aujourd'hui c'est la conclusion sur ce sujet, au moins pour cette année 2011. Et nous allons parler aujourd'hui du combat spirituel dans le foyer. Notre orateur est le pasteur Gondamand Séraphin. Je voudrais que nous le recevons par des acclamations. Bienvenue. Soyons donc tous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui visitent la communauté. Que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Nous remercions le pasteur, les membres du comité et toute la communauté pour la grâce de pouvoir l'inviter, de venir prendre la parole dans cette série, d'enseignement sur la vie de famille, sur la vie des foyers, sur la vie des couples. Il nous a été demandé depuis 3 semaines, 1 mois, de venir échanger avec vous sur le sujet suivant, le combat spirituel dans le couple. Le combat spirituel dans le couple. En constatant aujourd'hui les statistiques des divorces dans les couples, les mésententes et les guerres ouvertes ou les guerres froides dans les couples, ça et là, constatons même dans les milieux dits chrétiens, ces divorces, parmi ceux qui s'étaient engagés pour le meilleur et pour le pire, se séparer, hypothéquant ici la vie des enfants, ils vont vivre traumatisme, et même aussi en constatant certains couples qui vivent encore sous un même toit, en partageant encore le même lit, mais qui en réalité
était divorcé, qu'il y avait du reste dans les cœurs et dans les pensées, mais pour sauver la caravane, sauver la forme, l'apparence, l'extérieur, par la peur entre guillemets de l'Église et de son gourou, et pour blaguer un peu les parents qui s'étaient investis dans cette affaire, préservant des relations, l'on a eu ce contrat à huis clos de faire un semblant d'être ensemble tout en n'étant pas ensemble. Cela nous interpelle. Pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, étant au parfum, au quotidien, de certaines choses malheureuses déjà dites, ne se manifestaient pas dans l'Église, mais qui, dans la fourchette d'une dizaine d'années, sont devenus le quotidien de nos communautés, surtout quand nous avons le privilège de travailler avec plusieurs communautés ayant accès à certaines réalités de ces communautés, ayant la possibilité de faire des enquêtes dans plusieurs communautés avec des sociologues, chrétiens, théologiens ou autres, la situation devient alarmante en Afrique. Et cela interpelle l'Église à réfléchir. C'est-à-dire que les balles de l'ennemi sont grandement ouvertes pour la destruction des couples, des foyers qui n'auront pas pratiqué l'art ou l'exercice du combat spirituel. C'est bien de parler des couples, mais c'est bien de parler également du combat spirituel dans le couple, dans le foyer. Regardez avec moi. Il y a une vérité intemporelle, naturelle. Pour tous ceux qui ont pratiqué la magie, les fétiches et autres, l'on sait que quand tu as une épouse qui est complice de la chose, un mari complice de la chose, qui t'accompagne bien, qui préserve les secrets, tu deviens fort à l'extérieur. Parce qu'il suffit à l'intérieur, dans la chambre, qu'il y ait des ententes, que la femme livre l'homme, ou l'homme livre la femme, pour que les fétiches à l'extérieur ne fonctionnent pas. C'est la même chose. Quand il y a la paix, la stabilité, le bonheur en grand B, dans le couple ou le foyer, quand il y a l'équilibre, dans les couples, le village est en paix. La vie est en paix. Le bonheur s'exporte à partir des chambres où se trouve l'intimité de l'homme. La chose la plus féconde, la plus profonde et la plus mystérieuse se vit dans la chambre, en langage imagé, dans le couple et le foyer. Et de manière visible, même si l'Église a été dans le plan de Dieu avant que le monde existe, mais de manière physique et visible, le couple, le foyer a été créé, fabriqué avant que l'Église, que ce soit en image ou en réalité, ne soit même au travers de l'Ancien Testament en image et dans la réalité à la fin de l'Église. C'est-à-dire que dans l'intérêt de Dieu, dans le plan de Dieu, le couple a une place légitime. Le foyer est sacré, car c'est la première chose de Dieu qu'il a déposée, confiant au couple Adam et Ève la gestion et l'administration du monde, de l'humanité, et de tout ce sur quoi il les avait établi. Le couple avant et avant tout. Et pour parler du couple, entendons-nous, s'il vous plaît, sur la sémantique couple. Sur le concept d'un couple dans le mariage. C'est le monde à cette définition évolue aujourd'hui, que ça semble être bizarre de définir le couple, mais on le sait, c'est quoi parce que le couple, c'est l'homme et la femme qui se marient. Aujourd'hui, les gens sont en train de discuter dans les milieux intellectuels, dans le milieu juridique et autres, pour
redonner un peu de sel à la définition d'un couple dans le mariage, qui n'est pas forcément l'union d'une personne de sexe masculin et féminin qui s'aime et qui s'allie par les règles du mariage qui sont ensemble, mais on pourrait élastiquer un peu la définition du genre. C'est toute relation consentie et acceptée entre des personnes de sexe opposé et aussi entre les personnes de même sexe, garçons et garçons, en fait, bah, ça passe, se marie, accepter, légitimer, mais aussi femmes et femmes avec deux gros seins, ça accepte de se marier. Je le dis parce que j'ai tous les yeux ici, c'est inutile de le dire à l'Église. Mais attention, l'Église a adopté les choses d'État. L'Église a accepté le virus. J'ai sous mes yeux ici un document qui dit « Des évêques homosexuels bientôt reconnus par les Anglicans. » 23 juillet 2011, sur le site lavie.fr. Des évêques homosexuels bientôt reconnus. Il y a eu cette grande rencontre en Europe il y a 6 mois où il était question de discuter, d'accepter l'ordination, la consécration des pasteurs homosexuels. Hommes et hommes, ils sont établis pasteurs, ou femmes et femmes, on accepte qu'ils soient serviteurs de Dieu. Et ça n'a pas été discuté chez les familles, s'il vous plaît. Mais c'est des gens qui avaient des grosses croix, non pas plantées dans leur communauté, mais à leur tour en tenant l'homme avec Paul pastoral. Et comme c'est les nègres, tout ce qui se vit derrière l'homme, traverse dans l'avion pour arriver et nous l'épousons, nous l'acceptons comme parents de l'Église, ça va arriver. Et c'était les évêques africains qui s'étaient opposés à l'adoption de ce principe. Jusqu'à quand je leur donne peut-être 5 ans, 10 ans, c'est bien sûr la barrière va se casser et le monde va entrer. Le couple, c'est l'homme et la femme qui se marient. Pourquoi le dit à l'Église? Le dit à l'Église pour clarifier ça. C'est pas homme et homme, pas des femmes. Parce qu'aux États-Unis, en Europe, les mariages homosexuels sont bénis dans ce qu'on appelle l'Église. Dans les communautés qui sont des hommes évangéliques, où le pasteur, dans son équivalent noir, bénit ses hommes battus ou ses femmes avec deux de ses pistolets sur une menaçante. Dans les communautés. Donc, je n'ai pas voulu vous choquer, sinon j'ai passé le vidéo protecteur. Vous projetez des vidéos, des choses contextuelles. De plus en plus, c'est choquant en Europe, quand vous prêchez et que vous dénoncez des choses dans l'Église, vous touchez à la sensibilité des gens, à leur personnalité, à leur intimité. Le couple dans le plan de Dieu, c'est l'homme et la femme, mais aussi le couple devant Dieu. Ce n'est pas des personnes qui se sont attrapées dans la rue, qui se sont enfermées dans le désordre, et qui ont commencé à faire 2, 3, 4 bagarres de manière illégale. C'est comme ça que le droit les appelle, puisqu'il légitime. Et être prémédité, légitimé par 2 ou 3 ans, 5 ans, parce qu'ils ont été ensemble, on a commencé à appeler madame de sang ou épouse. C'est pas que des hommes de vous dont on veut parler ce matin ici. C'est des personnes. Respectons l'autorité de la famille, respectons l'autorité de l'État et respectons l'autorité de l'Église, respectons les principes en vigueur qui s'allient sous la bénédiction de Dieu. De ces couples-là que nous voulons parler ce matin dans cette communauté. Alléluia. Et pour parler de combat spirituel, essayons d'avoir une bonne lecture du combat spirituel. Nous avons fait une petite interview, nous avons essayé de faire des enquêtes, nous nous sommes rendus compte que la conception du combat spirituel est tellement sortie dans un grand nombre de nos communautés en Afrique. Quand on parle de combat spirituel, les gens vont chasser Wawetel. C'est bien.
Quand on dit qu'il y a un séminaire sur le combat spirituel, on pense qu'à quoi? Ça se voit bien. Tout se réduit à ce moment. Et même les serviteurs de Dieu en enseignant séminaire, grandiose sur le combat spirituel, vous venez, on nous parle que des éléments mathématiques. Mes amis, soyons équilibrés. Le combat spirituel est une lutte. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, raison de la 4 et de la. Le combat spirituel n'est pas seulement combattre les démons, mais combattre tout ce qui a un impact spirituel sur la vie des chrétiens, les démons vers le bas. C'est pas simplement une affaire de démons. Si vous voulez faire de la démonologie, faisons-la. Mais si vous voulez utiliser la démonologie, combat spirituel, amenons la cause sur le territoire théologique et donnons-lui le contenu qui tient. Le combat spirituel n'est pas une affaire de démons. Il y a beaucoup de choses à faire entrer dans ce panier pour un équilibre biblique et théologique. Il y a deux orientations dans le combat spirituel. Il y a le fait de résister à l'ennemi, 1 Pierre 5, verset 9, Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fera bien de vous. Résistez-lui avec une foi ferme. Il y a le fait de résister dans le combat à l'ennemi, de préserver le défaut, de garder la vie, résister, être sur la défensive, et il y a le fait aussi d'attaquer, de lier Matthieu 18, verset 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les pierres, etc., etc. C'est porter le feu dans le camp de l'ennemi. C'est être actif dans ce combat. Et le champ de bataille de l'ennemi, l'ennemi agit au travail, c'est-à-dire dans les bureaux, les marchés, à l'hôpital, mais l'ennemi agit aussi dans l'église, l'ennemi agit partout, y compris dans le foyer, qui est l'un de ses terrains de prédilection. Le diable sait qu'en détruisant un pays, un village intacté, il doit d'abord s'attaquer à des familles, à des couples. Et le sang du foyer est l'un des terrains où le diable aime mener le combat pour détruire la société. Quels sont les ennemis à combattre par le couple et les armes spirituelles? Dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12, il est cité une catégorie des démons. Et les démons sont hiérarchisés avec des compétences divines. L'ennemi est un séducteur, un menteur vers le mensonge. Il est un meurtrier, un destructeur. C'est le malin. C'est le Dieu de ce siècle. Et l'ennemi, les démons agissent aussi pour détruire le couple. Qui a engagé la conversation avec Ève dans les jardins d'Éden? C'est l'ennemi. Et quel était son but? Détruire ce couple, détruire leur héritage. Et là, tous les chrétiens, même les bébés chrétiens, savent que le combat spirituel se mène contre les démons. Et on chasse les démons à longueur de journée. Et même c'est devenu exagéré dans certaines communautés où on ne fait pas autre chose que de chasser les démons en tout temps. Mais c'est l'ennemi dans le combat, dans le couple. L'ennemi, c'est aussi les démons qui volent les finances, qui prennent en otage la croissance sociale, le succès sur le plan social, qui volent les effets des uns des autres, qui détruisent leurs finances, etc., etc. Les démons sont des ennemis dans la vie des couples. Mais je me tais et les contre l'ignorance dans la conception de l'ennemi à combattre tout à l'heure. Parce que le point que je vais citer le plus souvent n'est pas bien explicité dans les enseignements sur le combat spirituel, ou n'est pas connu par tous les derniers chrétiens. Nous combattons contre les démons dans la vie du couple, mais nous combattons aussi contre la chair
les œuvres de la chair, c'est dans le monde spirituel, c'est une chose que les saints, nous combattons contre le péché et nous combattons contre le monde. Dans Hébreux au chapitre 12 et au verset 4, vous n'avez pas encore résisté 10% en luttant contre le péché. Dans Galates au chapitre 5 et au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dans ce texte, il montre que les œuvres de la chair sont des ennemis à combattre. Même si, par le salut, nous l'avons crucifié comme acte unique, une fois pour toutes, Paul va utiliser certains vers après, dans les Épîtres à Corinthiens et à Galates, pour le dire autre, pour prouver que même si l'acte initial est posé, crucifié la chair, comme c'est l'enseignement du début, une fois pour toutes, il y a un travail au quotidien à faire pour maintenir la chose sous l'eau, de manière continue. C'est une position à maintenir, à exercer au quotidien. Dans Galates au chapitre 1, verset 3 à 4, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous garder sur des siècles mauvais, c'est-à-dire du monde, selon la volonté de notre Père. Au travers de ces trois textes, nous découvrons que le chrétien, le couple est appelé à combattre, en plus des démons, la chair, les œuvres de la chair, comme des phénomènes spirituels qui tirent le croyant vers le bas. Le couple est appelé à combattre aussi, à prendre en compte aussi l'existence de la chair et des œuvres de la chair, qui ne sont pas des adversaires physiques et visibles, auxquels il faut une thérapie spirituelle, un combat spirituel pour s'en sortir. Et le péché est une force, et le monde aussi. Pour bien comprendre, faisons, voyons quelques définitions. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est celle qui vit en moi. Le moi, le moi, le moi, dont on parle la psychologie et la théologie. Le moi, c'est l'homme dans sa totalité, esprit, âme et corps. On parle de la chair. La chair n'est pas la viande, le corps que j'ai ici, mais la chair signifie le principe du péché présent qui agit. Le vieil homme, c'est ce que nous vivions avant notre conversion. En d'autres termes, c'est le moi plus le principe de la chair qui agit. Le péché, c'est cette force. Je n'ai pas dit le péché comme acte, je parle du péché au singulier. C'est cette force qui veut nous noyer comme la vague, nous faire descendre vers le bas, qui nous influence, qui nous possède et qui nous propulse, qui nous pousse contre le mur pour nous détruire. Et ce sont des phénomènes d'ordre spirituel. Le monde, ce sont des principes universels de force, de cupidité, d'égoïsme, d'orgueil et de désordre. En un mot, le monde, c'est quoi? Le monde, c'est une manière de penser, une manière d'être et de faire, de se comporter, qui sont en contradiction flagrante avec l'ensemble des règles morales que Dieu a établies. Et c'est des choses qui nous avilissent, qui nous abaissent, qui nous rendent bêtes, qui nous rendent animales, qui nous dévalorisent, qui n'élèvent pas l'homme. On accepte comme philosophie de vie, on le traduit dans le comportement, dans le langage, et on le fait pour des raisons de cupidité, d'orgueil, du sens de désordre. Et voilà, le combat qui est dans le couple doit amener les couples à voir comment.
comme adversaire à combattre les démons qui détruisent les couples, mais aussi, et aussi, s'il vous plaît, dans notre théologie, les œuvres de la chair, le péché comme influence et le monde comme système de pensée d'être et de faire qui nous pousse dans une rébellion vis-à-vis de Dieu. Atterrissant un peu pour actualiser sur le terrain plat, cela amène le couple, par exemple, à bien gérer le syndrome du mauvais caractère. Le fait de chasser les démons dans les couples, les chrétiens savent ça, on ne leur apprend plus. Même les pharisiens savent chasser les démons aujourd'hui. Tellement en enfer, on a parti, tout le monde sait que les Wawekais, ça se chasse. Il n'y a pas de problème dans ça. Mais nous devons savoir aussi que les œuvres de la terre, le monde comme système et le péché comme influence, sont aussi autant des choses qui tirent le chrétien vers le bas, qui volent au chrétien son autorité, qui déplument le croyant d'une voix comme l'envol des vainqueurs avec le Seigneur. Et le couple doit aussi mener le combat sur ce territoire. Ce n'est pas toujours les démons qui amènent les divorces. Les mauvais caractères que nous démarrons avec nous dans la vie du couple, un garçon mal éduqué, une fille gâtée par sa maman, et on arrive au foyer, on veut que l'homme se transporte sur sa tête 24 heures de 24 heures, ou que la femme se met à genoux devant un petit Dieu, tous les autres dieux. Mais ce sont ces incompatibilités de caractère, ces mauvais caractères que nous entretenons, qui détruisent à un pourcentage élevé les couples, ce n'est pas toujours les démons. Si je vous prends de vitesse, qui va connaître cinq défauts, les gens, cinq défauts, cinq défauts, cinq qualités. Mes amis, le mariage n'est pas le fait de se retrouver pour se baiser. Excusez-moi. Avec le mariage n'est pas le fait, mais c'est aussi se connaître, étudier son caractère, son tempérament, et se soigner, voir ses faiblesses, venir dessus, et aller au mariage sur cette base. Je me connais, je vais sur moi. Je suis le gardien de moi-même. Mes amis, les problèmes de notre église le plus souvent, ce n'est pas les démons. Ils agissent, mais le plus souvent, c'est ces défauts chroniques de caractère que nous invasons avec une forme de vieille carburant à tout bout de champ. Et tout le temps, on a des démons, mais le couple ne résiste pas. Mes amis, ce n'est pas fait de démons. C'est un problème de défauts de caractère qui doit être réglé à la base. Et il faut considérer la chair et les œuvres de la chair comme un adversaire. Nous connaissons les œuvres de la chair dans Galates 5, du 9 à 21. Ce n'est pas toujours les démons qui nous poussent dans les publicités, dans ces choses. Mais c'est un déficit caractérisé. Et ce n'est pas des choses physiques où j'appuie sur le bouton et qui claque ou clique et le caractère devient comme une aiguille doit se régler. Ou comme un ordinateur dépasse. Et puis c'est dans la corvette, même dans l'ordinateur de la corvette, tu peux ramener. C'est des choses qu'on ne voit pas. C'est mystique, c'est spirituel. Et ça nécessite un travail spirituel, un combat spirituel pour se libérer par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais comme le plus souvent, nous ne connaissons pas la bien-faire. Les hommes de la terre se tirent vers le bas. Les couples doivent régler leurs problèmes de défaut de caractère. Au sommet de mon lit, j'ai affiché mes défauts et mes caractères, mes qualités. Du côté de l'oreille de madame, elle a affiché ses défauts et ses caractères. Je connais ses défauts. C'est sous mes paupières et elle connaît mes faiblesses. Et il faut veiller sur soi. S'améliorer, faire un effort. Chercher de l'aide. Si on cherche, il y aura moins de divorces, moins de conflits. Mais quand des grands prénoms, des grandes dames
sont grossièrement ignorants de leur dépôt. Quelqu'un dépôt de l'autre. Par contre, c'est quoi les gens? Réglons ça et les couples seront bénis. Alléluia. Alléluia. Il y a le péché dans le couple. Il ne faut pas ouvrir la porte au péché. Parfois, quand on ouvre l'église, le mari baisse, la femme ouvre, la femme baisse, l'homme aussi tout son honneur s'ouvre. C'est juste au jour où c'est tellement couru qu'on commence à sortir sa peinture. Ne pas tolérer le péché dans le couple. Mes amis, le péché n'a plus corps et c'est la gloire. Le péché est sophistiqué. Le péché est devenu esthétique aujourd'hui. À tel point que dans les couples, on ouvre la porte à des comportements. On appelle ça évolution, savoir vivre, émancipation, être civilisé, de bonne manière. Mais qui en réalité pour Dieu dans la définition, ne sont que des comportements qui tolèrent et légitiment le péché dans le couple. Et nous exposons ainsi. Alléluia. Alléluia. Le péché dans le couple. Et il faut maîtriser le vieillant aussi. Et il y a le monde. Je vais vous donner un exemple. Combat spirituel, oui, chasser les démons, oui, veiller sur le caractère, les vieillants, tout ça. Il y a un mois, un couple est en train de se divorcer dans l'église, c'est des responsables d'église. En allant vers Dieu, le problème, on pensait qu'on a tué quelqu'un, c'est un problème grave. On arrive les deux, n'arrivaient pas à dire de quoi ils parlent. Et depuis la première rencontre, deuxième rencontre, ils sont en train de nous tourner contre une femme. Du voyage, je suis rentré, j'ai accompagné l'équipe pastorale, j'ai dit, essayons de régler la fête d'Adjès, ça ne faut pas faire. Dans les questions de relation, j'ai rendu compte que l'homme dépense entre 60 000 francs par mois pour une affaire de pommade, de machin, machin, pour la dépigmentation, pour l'entretien de cette honorie, déjà la maladie. Le monsieur a dit, il est tellement fatigué que lui ne peut plus continuer d'investir pour ces choses-là. Que lui, il avait marié une négresse noire, qu'il a aidé, mais cette affaire, il veut plus dépendre. La femme, avec tous ses bagages, elle n'allait pas se mettre chez les parents, parce que tant que l'homme ne laisse pas être une française, sur la peau, il est divorce. C'est dans l'église. Ça, c'est des conceptions, des choses du monde, des manières d'être, de penser. C'est une philosophie qui n'a rien de chrétien. Les médecins déposaient cette affaire et des responsables d'église qui prennent sa cause de leur drapeau pour dire que tu dépenses pas ça. L'homme dit, mais pas, moi, ça n'est pas là, son gars, la qualité de garantie à tuer même économie. La femme dit, si on ne dépense pas ça pour son affaire-là, tu vois. Je l'ai dit en tout cas, je n'ai pas assez de temps pour gaspiller pour se colorer. Tant que vous aurez le temps de régler ça, vous irez vous chercher là où nous sommes avec les canards. Et vous savez, encore dans deux semaines, c'est qu'on est en train de régler. Peut-être que cette personne viendra dans une réunion de couple. Je la ferai venir pour qu'il vous parle. À quel part? Elles sont en train de se divorcer, la femme a quitté la chambre, pour quelle raison? On vous parle. Qu'est-ce qui va passer avec ça? L'homme va dire, je vais dire, va faire une affaire de thé. Il en boucle. Un jour, il revient, il rentre dans la chambre pour le déshabiller, il voit Phil là qui est là. Il se dit, elle est Aya. C'est fille-là qui était sous la robe, qui était vraiment sous sa tête. Fille-là qui était là. Et c'est moi qui va porter Bach. Et dit non, c'est Bach-là qui me semble. Dis moi, c'est Bach-là que j'aime. Comme le monsieur a dit, je vais doter. Un, je vais marier. Ou on s'est marié. Je t'en retiens. J'aime Bach-là. Pour garder ma son. Je n'aime pas fille. C'est dans ça que la femme a quitté la chambre, tu dis ma femme, si tu continues, je vais te mettre la main. C'est dans l'église. Dans l'église. C'est ça le monde contre lequel il faut
éléments sur lesquels nous sommes focalisés. Il y a d'autres mondes spirituels qui tirent nos couples vers le bas et qui les détruisent. Oh oui, mon signe, portez-les, vous êtes libre. Mais j'ai ici le document du professeur Gomus ou de cette ville qui montre les conséquences, qui montre les choses. J'ai écouté un documentaire qui a fabriqué des signes pour quelles raisons je voulais montrer. Lire l'article 6 de Dieu ensemble dans le couple
il faut une bonne vie de relation, il faut de l'harmonie conjugale, une vie de transparence, de vérité, de pensée, une vie de passion où un foyer plus répondit, où il n'y a pas un tyran violent et arrogant, où une femme, une personne sérieuse s'en arrête. Mes amis, Dieu veut bénir les couples. Beaucoup de couples souffrent aujourd'hui des divorces, où les gens sont ensemble, mais ils ne s'aiment plus. Mais ils sont là. Le foyer, c'est la joie. Quand toi, on a envie de revenir ici. Mais quand tu sors, tu as tellement envie de ne pas revenir. Ça veut dire qu'il y a problème. Un autre chrétien, ce ne sont pas toujours modèles en matière. Prions, lisons la Bible, résistons à ces pages. C'est un petit mauvais, mais aussi de philosophie, de manière de penser d'être et de faire, résistant à la terre, au monde, au péché, aux démons, mais aussi contre-attaquant les autres ennemis, par la prière, par les convictions chrétiennes et éthiques, bibliques, pour que nos couples soient bénis, soient libérés et que l'Église soit bénie. Alléluia. Je comprends en disant que le diable avait eu raison du premier couple de l'histoire, les hommes, en les induisant dans le péché. Mais Jésus a paru afin de détruire les yeux de diable. Ma prière est que nos couples en Christ se relèvent, tiennent debout, en combattant spirituellement avec les armes spirituelles que Dieu vous a données. Nous nous adressons à ceux qui vont se marier demain. Préparez-vous pour le combat spirituel dans ces quatre niveaux que je vais vous mentionner ici. Le mariage n'est pas gardé d'être ensemble, mais c'est d'avoir l'arsenal nécessaire pour que la vie du couple soit du mieux, soit du beau, soit du meilleur. Alléluia. À ceux qui sont déjà en couple, qui ont réussi, que Dieu vous bénisse, partagez vos expériences en aidant vos couples qui souffrent à vos côtés. Mes amis, en faisant un travail de relation d'aide dans presque plusieurs églises différentes, ça gangrène. Les couples souffrent. Il y a des bons maritains du monde, des couples qui ont échoué, mais ils sont quand même là. Que Dieu nous sauve, que Dieu sauve nos couples, pour que l'église soit vivante, que nos couples soient vivants. Pour qu'il y ait vie de prière à l'église, il faut qu'il y ait vie de prière dans les foyers, dans les couples. L'harmonie, la paix, la joie. Mais cela ne peut venir que par le combat spirituel. Que par le combat spirituel. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Nous allons prier. Et voilà, prions-le. Nous prions pour ces couples qui sont pourris. Ces couples qui sont déjà détruits dans les racines, qui sont là. Mais la chose est déjà gâtée. Que Dieu vous sauve. Que Dieu vous délivre. Que Dieu vous aide. Nous prions également pour ces couples en devenir. Que Dieu donne la victoire à l'Église. Que nos couples soient modèles dans la maison de Dieu. Et que les démons, le monde, la paix et le péché, nos couples puissent avoir la victoire établie, vécue au quotidien sur ces choses, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que nos enfants soient heureux, afin que nos parents soient heureux, afin que nos amis soient bénis par notre modèle. Oh, prions mes amis, pour que l'Église soit bénie, que nos foyers soient bénis. Pour que l'Église soit forte, il faut que nos foyers soient forts. Que Dieu donne du succès. Tu as des choses à réparer. Tu as des choses à changer. Tu as des choses à reconstruire. Les murs qui sont fissurés sont vus. Tu dois avoir l'honnêteté et le courage de défoncer ces murs et de les reconstruire dans la prière et le conseil de la parole. Prions pour nous. Disons Seigneur sauve. Disons aussi merci si nous vivons bien dans nos couples. L'homme va à gauche. La femme va se mettre dans l'œuvre du Seigneur.
que Dieu nous sauve à être